touching every heart. Oh.
Alléluia. Je veux qu'on traite ce thème-là. Alléluia. Dieu ne bénit pas en vain. Il ne bénit pas en vain. Comme il pouvait le dire Jésus. Il dit, je ne donne pas moi mes bénédictions aux petits chiens. Alléluia. Dieu, il bénit dans la loyauté. Et c'est quoi la loyauté, bien-aimé? La loyauté, c'est être dévoué pour une cause. Alléluia. Être dévoué pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Être sincère. Être intègre. Alléluia. C'est à cela que Dieu regarde et puis il te bénit. Quand tu es intègre, bien-aimé, je ne vois pas ce qui peut empêcher Dieu de te bénir. Alléluia. Tu es fidèle. Quelles que soient les situations qui se passent, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que tu apprends même sur ton père spirituel, quel que soit ce que tu apprends sur ta famille, bien-aimé, tu es là parce qu'un père reste un père, une mère reste une mère, une famille reste une famille. Tu n'abandonnes pas, tu ne trahis pas. La loyauté. Dieu est béni dans la loyauté. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il fait tout comme il veut, où il veut. Il ne regarde même pas à ce que tu dis, à ce que tu es, à ce que tu as porté comme habit. Mais lui, simplement, il veut te bénir. Il te bénit par rapport à ce que tu poses comme acte. Il se souvient de cela. Le peuple d'Israël devait être exterminé. Mais regardez Mardoché. Lorsque les eunuques ont comploté contre le roi, c'est Mardoché qui allait dire au roi. Ce jour-là, il n'a pas récompensé. Il n'a rien fait. Il a juste écrit dans son livre de souvenirs. Alléluia. Mais regardez, lorsque Aman s'est levé, un décret a été voté contre eux, puisque Aman avait le sceau de l'Éternel. Alléluia. Les enfants d'Israël devaient être exterminés. Aman, après le roi, c'était lui. Il pouvait décider de tout. Et il a décidé de tout. Les enfants d'Israël devaient mourir. Malgré qu'il était marié à la nièce de Mardoché, il ne savait même pas. Mais puisqu'il a donné l'autorité à Aman, Aman avait l'autorité, c'est lui qui décidait maintenant de tout. Mais regardez la fidélité. Alléluia. Lorsqu'on chante, on dit « Je rappelle à Dieu ». Quand tu rappelles à Dieu, c'est tes actes de fidélité, tu rappelles à Dieu. On ne rappelle pas à Dieu en vain. Tu dis « Seigneur, regarde ce que j'ai fait ». Ézéchiel, l'Éternel a envoyé son serviteur Isaïe, il dit « Tu vas mourir ». Il dit « Moi, je ne vais pas mourir ». Parce que toi, le Dieu d'Israël, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. Je ne vais pas mourir. La Bible dit qu'il était en route. Et le Seigneur lui a parlé. Va lui dire, j'ajoute 15 coups d'œil sur sa vie. Alléluia. La loyauté, ça bénit. La loyauté sauve. La loyauté guérit. La loyauté restaure. La loyauté élève. Alléluia. La loyauté efface la honte. Humilier la loyauté te relève. Alléluia. Dieu bénit dans la loyauté. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre le livre de Ruth. Ruth 1, verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth 1. Du verset 1 au verset 5. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Au verset 2. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Au verset 3, Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Au verset 4, il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Au verset 5, Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Alléluia. En fait, tu vas prendre le verset 7 aussi, s'il te plaît. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vous parlais de la récompense dans la loyauté. Là, Naomi et son mari Élimélec ont quitté leur pays. Ont quitté leur patrie. Ils se sont déplacés à cause de la faim. Alléluia. À cause d'une faim,
ils se sont déplacés, ils se sont alliés à d'autres dieux. Puisque la patrie de Ruth et Orpa, c'était des Moabites, les enfants de l'insecte. Et Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de s'allier à cette patrie-là. Mais à cause de la faim, Elimelech a pris sa famille. Et Naomi, qui est la femme, elle n'a même pas eu la présence d'esprit pour dire, « Non, mon mari, là, nous allons maintenant braver l'interdit. » Parce que Dieu nous a interdit d'aller là où il ne faut pas aller. Là où il ne fallait pas aller, qui est dans le peuple des Moabites. Mais elle a suivi son mari. Alléluia. Et arrivée là-bas, le mari est décédé. Ça ne l'a toujours pas interpellée. Elle est restée là. Puisqu'elle était toujours à la recherche de la nourriture. Après la mort du mari. Elle a perdu ses deux enfants. Et c'est à ce moment-là, elle cherche à partir. Encore là, elle était là. Mais lorsqu'elle a pris que le peuple, son peuple a été béni, le peuple d'Israël a été béni, et que la famine est finie, bien aimée, c'est à ce moment-là, Naomi se décide de rentrer chez elle. Alléluia. Elle avait déjà tout perdu. Elle n'avait plus rien. Qu'allait-elle chercher chez elle maintenant? Pourquoi s'était-elle séparée de sa famille? À cause de la nourriture. Et elle, Naomi, un peu plus loin, Naomi qui dit de ne plus l'appeler Naomi, mais qu'on l'appelle Mara, comme si elle ne savait pas le problème qui la minait. Alléluia. Comme si elle ne savait pas là où elle avait mis ses pieds. Alléluia. Naomi savait qu'il ne fallait pas le faire. Naomi savait qu'elle avait bravé aller son mari, il l'interdit. Alléluia. Elle le savait très bien. Parce que lorsqu'elle avait mis son pied là, elle savait qu'il y avait une situation critique qui allait se poser. Mais Naomi est restée dans cette situation. Elle s'est sentie à l'aise. Naomi a perdu son mari. Elle est assise là. Elle a perdu ses deux enfants. Ses deux enfants. Elle est assise là. À cause de la nourriture, tu perds tout, Naomi. Et tu es toujours assise là. À cause des bénédictions, à cause des prophéties, les enfants de Dieu perdent tout. Alléluia. À cause des magiciens, les enfants de Dieu perdent tout. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, peut-être que ça sera dur, mais l'Éternel m'a dit, la journée du 28 à 9h du matin jusqu'à midi, il dit, éclaire le monde entier. Parle à mes enfants. Parle à mes enfants. On ne touche pas à mes oints. On ne touche pas à mes oints. Mes enfants qui vont de ministère en ministère parce qu'ils cherchent la bénédiction. Moi, l'Éternel des armées, parle au monde entier. On ne touche pas à mes oints. On ne touche pas à mes enfants. Je les ai choisis. Ceux-là même que j'ai appelés. On ne touche pas à mes oints. Quelle que soit la situation, quelle que soit la tribulation que tu vis, reste-y, demeure-y. Moi, Dieu, je te bénirai. Alléluia. J'étais tellement dépassée. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Depuis une semaine, pour ceux qui viennent en semaine avec nous, ils savent ce qui se passe. C'est-à-dire, je prépare et quand je finis, le Seigneur me dit, prends ça. Et ce matin, j'en ai partagé avec mon mari. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui se passent. J'ai peur de te le dire, mais voilà ce qui se passe. Il dit, oui, merci Seigneur. C'était ma prière. J'ai dit, gloire soit rendue à l'Éternel des amis. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé, de parler à ses enfants. Tu vas d'église en église. Regardez la vie de Naomi. Au lieu de rester dans sa patrie, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la maladie, quelle que soit la famine, reste-y. Elimelech a pris sa femme. Il est parti avec elle. Et ses deux garçons. Le mari est décédé. Les enfants sont décédés. C'est en ce moment qu'elle revient chez elle. Après avoir tout perdu. Quelle que soit la situation, sois patient. Le Seigneur me dit de vous dire, vous qui priez avec ses enfants, dans le monde entier, il dit, parle à mes enfants, éclaire mes enfants dans le monde entier, qu'ils demeurent dans la loyauté. Et moi, Dieu, je récompense dans la loyauté. Alléluia. On fait le tour du monde. Il dit, vous promenez des regards inquiets pour rien. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais simplement, ce que je vous demande, c'est la loyauté. Demeurez loyal. Retirez-vous des calomnies. Retirez-vous de l'hypocrisie. Retirez-vous de la manipulation. Retirez-vous de la méchanceté. Retirez-vous de la sorcellerie. Retirez-vous de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Je ne parle pas pour vous faire plaisir. Je vous dis exactement ce que j'ai reçu. Alléluia.
Bien-aimé, Naomi est rentrée chez elle dans la lamentation. Elle ne pouvait même plus se tenir. Au point qu'elle demande à ses belles filles, rentrez chez vous. Alléluia. Rentrez chez vous. Ma fille, verset 9, s'il te plaît. Au verset 9. On va commencer par 8. On va commencer par 8 et on arrive à 9, s'il te plaît. Au verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Au verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Amen. Alléluia. Regardez Naomi. Elle demande à ses belles filles de rentrer chez elle. Oui, évidemment, parce que vous étiez là pour un mariage. Les maris sont morts. Pourquoi est-ce que vous allez encore me suivre? Je vais rentrer dans ma famille. Donc, vous aussi, allez-y en famille. Alléluia. Vous suivez les hommes de Dieu pour des prophéties. Vous suivez les hommes de Dieu pour des révélations. Vous suivez les hommes de Dieu pour des bénédictions. Mais il n'y a plus de bénédictions. Parce que ces révélations ne venaient pas de Dieu. Donc, repartez dans votre maison. Repartez dans votre maison, là où le Père vous avait appelé. Repartez auprès de Dieu. Alléluia. Repartez là, Dieu vous a établi. Ce n'est pas une honte. Naomi est repartie dans sa famille. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas aussi une faiblesse de repartir dans sa patrie. Alléluia. Dieu me charge de dire à ses enfants, quelle que soit la situation, là où tu es parti, si tu sens que Dieu ne t'a pas appelé, si tu sens que ce n'est pas ta place, va à la maison. Si tu penses qu'on te donne des prophéties arrangées, va à la maison. Si tu penses que là, Dieu t'a révélé que celui-là n'est pas mon oint, va à la maison. Alléluia. Il dit, ces enfants ne vivent pas que de prophéties. On vit de la parole, de l'enseignement, de la prédication. Parce que l'enseignement vient nous éclairer. Alléluia. Dieu parle à ses enfants ce matin. Le cœur de Dieu saigne lorsqu'il voit ses enfants qui se promènent par-ci, par-là. Alléluia. Étant à la recherche des prophéties. Pourtant, là où tu es, il a établi un prophète. Là où tu es, il a établi une prophétesse. Alléluia. Regardez Naomi. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle était restée là. Jusqu'à ce que ses enfants meurent. C'est en ce moment-là qu'elle se souvient qu'elle a des parents. Elle demande maintenant à ses belles filles de rentrer. Mais regardez le cas de Ruth. Ma fille, on avance un peu. Verset 10, on continue. Au verset 10, et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui pourraient devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si toute autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ
et l'Éternel me ramène les mains vides, pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Je sais que tu n'es pas Naomi. Alléluia. Tu ne fais pas partie des cas de Naomi. Alléluia. Acclame le Dieu d'Israël. Regardez Ruth, regardez Naomi plutôt. Naomi, elle dit même à ses belles filles de repartir dans leur famille. Parce qu'elle dit, même, je sais, même si l'Éternel me fait grâce que je fais un enfant, vous allez attendre longtemps. Et ces enfants-là, le temps que vous les mariez, vous serez déjà vieilles. Donc, ça ne sert à rien de partir. Alléluia. Orpah est partie. Alléluia. Orpah a pris ses clics et claques, elle est rentrée chez elle. Mais Ruth est restée, elle dit, moi, ton Dieu est mon Dieu. Toi et moi, on est au Kohi, on meurt ensemble. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Ta patrie, c'est ma patrie. Moi, où tu m'amènes là, je te suis. Comme un mouton, tire-moi, je dirais, ben, je vais te suivre. Ne me force même pas même. Parce que tu m'as eu. Là, vous êtes allés me chercher, tu m'as eu. Alléluia. Ruth connaissait son histoire. Ruth savait d'où elle venait. Alléluia. Ruth savait d'où elle venait. Elle savait qu'elle était sous un joug. Elle était sous une malédiction. Il y avait un décret sur sa famille, sur sa patrie. Alléluia. Les enfants de l'Essex, les enfants de la malédiction. Et que l'Éternel désormais avait interdit sa famille à approcher les enfants d'Israël. Alléluia. Donc Ruth, ayant compris cela, elle dit, je ne bouge pas. Va seulement, va. Si Orpah veut qu'elle s'en aille, mais toi, aujourd'hui, là, tu vas me bénir. Aujourd'hui, c'est mon jour. De toi, là, je serai délivré. De toi, ma partie sera délivrée. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a emmené à Bethesda pour que de toi, ta famille soit délivrée. Dieu t'a emmené là où tu te trouves, toi qui me regardes en ce moment. Il t'a emmené là pour qu'à travers toi, le joug de ta famille soit brisé et que tu aies le joug de l'Éternel. Car l'Éternel dit le joug de lui, son joug est léger. Alléluia. Le joug de l'Éternel est léger. Mieux vaut porter le joug de l'Éternel que le joug de toute une famille. Un joug de malédiction, un joug de rejet, un joug d'humiliation, un joug d'abandon et de tourbillon. Parce que partout tu vas, tout le monde t'abandonne. Tous ceux-là même qui te promettent, là, après ils t'abandonnent. Ils ne réalisent même plus la promesse. Il y a un joug sur ta famille. Alléluia. Ruth savait, elle n'a pas voulu abandonner. Elle dit, Naomi, ne te fatigue même pas. Il ne faut même pas me presser. Orpah, c'est Orpah. Orpah et moi, on n'a rien en commun. Alléluia. Même si on vient de la même communauté, on n'a rien en commun. Même si nous sommes des Moabites, on n'a rien en commun. Même si ma soeur et moi, on est pareil. Alléluia. On n'a rien en commun. Moi, j'ai une grande soeur, on se ressemble très pour très. Mais simplement, elle est fine. Mais on n'a rien en commun. Tu es l'enfant de ma mère. C'est vrai qu'on a eu le même cordon ombilical. Mais on n'a rien en commun. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Alléluia. Fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. Ruth dit, Orpah, elle peut s'en aller. Mais moi, Naomi, on est ensemble. Pourquoi tu t'es retourné là? Tu le sais, je le sais. Tu ne vas pas le dire, je ne vais pas le dire. Et on marche ensemble, ton pied, mon pied. On continue le chemin. Si tu veux, on avance à petit pas. Mais je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on réussira. Parce qu'on va résister. Quelles que soient les situations, quelles que soient les tribulations. Oui, je sais, tu ne vas pas faire un fils maintenant. Mais malgré tout ça, moi, je reste avec toi. Oui, je sais, l'homme de Dieu dont vous parlez là, vous avez dit tout ce que vous voulez. Mais malgré tout ça, je suis avec lui. Parce que c'est mon père spirituel. Parce que c'est ma mère spirituelle. Dites tout ce que vous voulez. Racontez calomnie, méchanceté. Dites tout. C'est un chercheur de femmes. C'est un coureur de jupons. C'est un ceci, c'est un cela. Je suis avec lui. Alléluia. Ma maman spirituelle, on dit, oh, celle-là, elle a fini, elle, les enfants. Elle prend les petits-enfants du monde entier. Elle ne veut pas se marier. Hein. Oh, une servante de Dieu. Depuis quand vous avez une servante de Dieu qui est seule? Parce qu'elle ne veut pas se marier. Parce qu'elle veut faire du n'importe quoi. Celle-là aussi, Dieu lui parle. Oui, je suis avec elle. Alléluia. Je suis avec elle parce que moi, je suis convaincu de son appel. Je sais que Dieu parle à ma mère. Je sais que Dieu parle à mon père. Oui, je sais.
Toi, continue seulement. Reste dans tes calomnies. Raconte hypocrisie, méchanceté, arrogance, manipulation. Manipule seulement. Mais moi, je ne fais pas partie de toi. Parce que moi, je suis une Ruth. Naomi, on est au Koyi. On va ensemble. Je suis collé à toi comme peau de colle. Tu m'arraches, ta peau s'arrache. Ah. Alléluia. Tu tires, là, c'est ta peau, tu tires. On va ensemble. Là où tu vas, là, j'y vais. Naomi n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener. Alléluia. Elle n'a pas eu d'autre choix que de partir à Ruth. La fille, nous allons prendre Ruth 3 jusqu'au verset. Ruth 3, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth 3, au verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, bois avec les servantes duquel tu as été. N'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » Au verset 3, « Lave-toi et oint-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. » Alléluia. Alléluia. Regardez la fidélité. Une belle mère qui donne les secrets de sa famille à sa belle fille. Sachant qu'elle n'a même plus de fils. Non, malgré tout ce qu'elle donne, il n'aura pas d'héritier. Alléluia. Mais à cause de la fidélité, de la loyauté de Ruth, sa belle-mère fait sortir ses tripes. Le secret familial qui était confidentiel est devenu pour Ruth la Moabite. Une Moabite qui n'était même pas destinée à la bénédiction des Israélites. Elle a accès à cette bénédiction. Et à cause d'elle aujourd'hui, on crie Jésus, Jésus. Alléluia. On crie Jésus, la Moabite. Alléluia. La Bible dit de Ruth. Ici, Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est de la lignée de Ruth. La Moabite. L'enfant de l'inceste. La femme de la malédiction. Toi qu'on rejette. Toi qui es humilié partout. Toi qu'on dit tu es une femme maudite. Alléluia. Que tu ne te marieras jamais. Un enfant qui ne va jamais prospérer. Un enfant de malheur. Un enfant qui vient dans une famille et ses parents meurent. Rejeté et abandonné de tous. Alléluia. Dieu veut t'élever. Il veut te lever, mais seulement dans la loyauté. Il veut seulement te bénir dans la loyauté. Ne regarde pas à ça, ton orphelinat. Ne regarde pas à ton handicap. Ne regarde même pas parce que je ne sais pas parler français, c'est un handicap aussi. Je ne sais pas lire. Mais là, dit le trait, Dieu veut t'élever. Alléluia. Il veut simplement t'élever dans la bénédiction. Alléluia. Quand nous prenons Genèse 32, versets 25 à 29, Alléluia. La Bible dit, Jacob se bat avec l'ange de l'Éternel. Or, c'était Dieu. Parce que Jacob aussi connaissait son histoire. Jacob, son nom savait, voulait dire usurpateur. Et si Jacob restait dans ça, tout Israël allait s'appeler aujourd'hui usurpateur. Alléluia. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel demande à Jacob, mais que veux-tu? Laisse-moi aller. Pour ne pas que le soleil de l'aurore me trouve là. Il dit, il veut pas. Il a accroché. Il a accroché quand moi, il a accroché comme poudre dans cheveux. Il dit, je ne bouge pas. Tant que tu ne me bénis pas. Il veut nulle part. Je vais aller où? On est ensemble. Toi-même, tu connais mon problème. Il dit, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel dit, il ne dit pas son nom. Mais toi-même, là, quel est ton nom? Jacob. Il dit, tu veux quoi? Je veux que tu me bénisses. Alléluia. Jacob a demandé à ce que cette histoire soit changée. D'usurpateur, il va devenir bénédiction. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont battus. Ils ont lutté. Quels que soient les coups que Jacob recevait, il dit, je ne te laisse pas. J'ai dit, je suis accroché à toi. Tu vas faire quoi? Jacob accroché à l'ange de l'Éternel. Tu es accroché à qui, bien-aimé? Dieu m'a dit de demander à ses enfants, à qui ils sont accrochés? Ils sont accrochés à l'homme ou ils sont accrochés à lui, Dieu. Parce que c'est lui qui a envoyé ses oins. À qui ils sont accrochés?
Jacob s'est accroché à l'ange de l'Éternel. Quelle lutte as-tu menée, bien-aimé? Quelle lutte as-tu menée? La Bible dit Jacob s'est accroché. Il en a reçu des coups dans les côtes, partout, bien nourri par les coups. Il dit, je ne te laisse pas. Un être humain, tu se bats avec Dieu. Il dit, je te laisse pas. Qu'est-ce que tu veux? Tant que tu ne changes pas mon histoire, change mon nom. Toi-même, là, tu sais, Jacob connaissait son nom. L'ange de l'Éternel aussi connaissait le problème de Jacob. Mais il voulait que ça sorte de la bouche de Jacob. Alléluia. Tu connais ton problème. Dieu me dit de vous dire. Tu connais ton problème. Le problème dans lequel tu es, tu le connais. Tu connais le problème qui t'a emmené dans un ministère. Accroche-toi. Bats-toi. Ne regarde pas aux murmures. Ne regarde pas aux calomnies. Il dit, il ne t'a pas envoyé pour ça là-bas. Il t'a envoyé pour ta propre délivrance. Il t'a envoyé pour la délivrance de ta famille. Il t'a envoyé pour la résurrection de ta famille. Il t'a envoyé pour que tu sois sauvé. Il t'a envoyé pour que ta famille soit sauvée. De toi, une famille qui s'écroulait sous le joug, soit délivrée. Il ne t'a pas envoyé pour que tu repromènes à des regards inquiets. Pour que Pierre parle, ah, on dit il est comme ça. Puis oh, on dit la sœur là. Mais Dieu a dit, ne regarde pas ça. Tu connais ton problème. Tu sais pourquoi il t'a emmené là où tu pries. Alléluia. Il dit, demeure-ci. Demeure là. Parce que lui, il bénit dans la fidélité qui est la loyauté. Alléluia. C'est dans ça d'où Dieu il bénit. Il dit, reste ici. Regardez Jacob. Jacob s'est battu. Il s'est battu. Finalement, l'ange de l'Éternel, le roi arrivait. Il a frappé Jacob au fémur. Alléluia. Dieu t'a frappé où? Quel handicap as-tu pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as eu pour le Seigneur? Quelle marque as-tu sur toi pour le Seigneur? Quelle est la marque? Quelle est la plaie? Quel est le signe par lequel on te reconnaît que tu es un enfant de Dieu et que tu as lutté dans la maison de Dieu? Quelle place occupes-tu dans la maison de Dieu? Quelle chaise as-tu rangée? Quel ménage as-tu fait? Quelle aide as-tu apporté dans la maison de Dieu? Alléluia. Quel est le rôle que tu joues dans la maison de Dieu? Pourtant, tu connais ton problème. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais quel problème tu as, quelle malédiction que tu traînes. Et tu écoutes les ondits. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Jacob et Saül étaient des jumeaux. Ils étaient des jumeaux, mais ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Il était obligé d'usurper la bénédiction de son frère pour que son nom soit changé. Alléluia. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Tu as ton problème. Laisse à ton jumeau. Laisse même à ton quatriplé. Laisse-les, laisse tes frères, laisse tes soeurs. Regarde à ton problème. À travers toi, Dieu va délivrer ton jumeau. Alléluia. À travers Jacob aujourd'hui, regarde, on dit Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Alléluia. Laisse les soucis. Alléluia. Demeure-y, prie. La Bible dit Jacob a lutté. Jacob a lutté. Il a été frappé au fémur. Il dit, si tu veux, frappe-moi. Je dis, change mon histoire. Ah! Je dis, change mon histoire. Tes coups de poing, quel que soit, tu me donnes comme coup. Ça là, je reçois. Mais je vais recevoir. Mets-moi ça dans les côtes. Je reçois. Mets-moi ça au visage. Donne-moi un coup de tête. Je suis prêt. Je vais recevoir. Parce que je vais être délivré. Parce que je vais être guéri. Parce que je veux être élevé. Alléluia. Sois béni, papa. Alléluia. Bien-aimé, vers fin, la Bible dit l'ange de l'Éternel n'a pas eu d'autre choix que changer l'histoire de Jacob. Parce que ton nom, c'est ton histoire. Alléluia. Les noms qu'on porte, les noms de famille ont des significations. Alléluia. Jacob était usurpateur. Donc, il savait qu'il y avait un problème. Toi, tu connais ton problème. Toi, que veux-tu que Dieu change dans ta vie? Que veux-tu que Dieu change dans ta vie? Et puis, tu promets des requins inquiets. Jacob, il a été intègre, il s'est battu. Il dit, moi, je suis là.
quels que soient tes cacatos, j'encaisse. Je ne bouge pas. Je suis là. Frappe-moi. Que je saigne. Je ne bouge pas. La Bible dit, il dit, bon, je change ton nom. De Jacob, tu deviens hein, Israël. Alléluia. Tu n'es plus usurpateur. Tu ne vas plus rien usurper. La nourriture même que tu avais usurpée, la bénédiction de ton frère en donnant la nourriture à ton père. Tout ça, c'est derrière toi. Parce que maintenant, tu as une bénédiction. Alléluia. David dit, l'histoire de Jacob a changé. Son nom a changé. Qu'est-ce que Dieu a changé en toi? Ou que veux-tu que Dieu change en toi? Accroche-toi. Regardez Jacob. Il avait un handicap. Il traînait ça. Mais il n'a même pas regardé à ça. Il dit, ce lieu, je nomme ce lieu Peniel. Alléluia. D'où vient le nom Peniel quand on a nos enfants? Quelle lutte as-tu menée? Quelle place as-tu occupée dans la maison de Dieu? Quelle chaise tu as placée? Qu'est-ce que tu as offert comme micro? Bénédiction, bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas dans les ripopos. Dieu bénit dans l'enseignement. Il bénit dans sa parole. Il bénit dans les prédications. Alléluia. Il bénit dans tout ce que tu poses comme acte. Alléluia. Parce que l'enseignement apporte la lumière. Alléluia. L'enseignement qu'on reçoit. Les ripopos n'apportent pas la lumière durable. Non, non, non. Ça n'a pas d'effet durable. Mais l'enseignement, la parole de l'Éternel qui est délivrée et bien aimée, ça apporte un enseignement durable. Un enseignement qui éclaire les enfants de Dieu. Alléluia. Et ça, quand tu reçois ça, ton intelligence change. Tout change en toi largement. Tout change. Dieu te transforme, tu rayonnes partout où tu es. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a changé en toi? Que veux-tu que Dieu change aussi en toi? Qu'est-ce que tu as fait dans la maison de Dieu? Alléluia. Pour que tu sois transformé. Que les hommes de Dieu, lorsqu'ils prêchent, ton foi intérieure soit transformée. Pour que de Jacob, tu deviennes Israël. Alléluia. De Ruth, la Moabite, tu sois issu d'une génération d'où vient Jésus. Alléluia. Qu'as-tu fait dans la maison de Dieu? Regardez Ruth. Tellement qu'elle a été patiente. Il y a un proverbe qui dit la patience est un chemin d'or. Tellement que Ruth a été patiente aux soins, aux petits soins de sa belle-mère. Pourtant, elle savait que cette femme n'avait plus d'héritier. Il n'y avait personne, elle ne pouvait pas marier quelqu'un. Elle n'avait pas de mari aussi, elle-même, elle le dit. Elle dit, même s'il m'arrivait de faire un enfant, tu ne vas pas le marier maintenant. Et que encore, je suis vieille. Elle dit, je ne regarde pas à ça. Je ne regarde même pas ce qu'on dit de mon père spirituel. Je ne regarde même pas ce qu'on dit de ceux-là même avec qui je marche. Je ne regarde pas ce qu'on dit de ma famille, de mon mari. Alléluia. Moi, je demeure loyal. Même si mon mari n'a rien. Alléluia. Même si mon mari s'écroule sous la malédiction et la pauvreté. Moi, je sais qui j'ai choisi. Alléluia. Sois fidèle. Même si ma femme n'a rien aujourd'hui. Même si elle est stérile aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est humiliée de partout à cause de la stérilité. Moi, je suis avec ma femme. Alléluia. Même si mon mari ne travaille pas, on me dit c'est un pauvre. Je suis avec lui. Parce que je sais que mon Dieu va changer son histoire. Je sais que mon Dieu va transformer son nom. Et de ce nom-là, lorsqu'il va le transformer, nous serions bénis. Alléluia. Et quand tu es béni, les gens te regardent et disent tu as fait médicament. C'est en ce moment-là, maintenant, tu fais ton malin. C'est quand tu viens passer maintenant, tu fais ton malheur, tu grossis, on dit, mais celle-là devient large, mais là quoi? Je n'ai rien parce que j'ai la paix du cœur. Mon mari, des chômeurs, il travaille. Ma femme de stérile, elle a enfanté. Sois fidèle. Femme, sois fidèle. Mari, sois fidèle. Enfant, sois fidèle envers tes parents. Alléluia. Soyez fidèle, peuple de Dieu. Partout où vous partez, demeurez dans la fidélité. Alléluia. Dieu récompense dans la loyauté. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci, Seigneur. Moving in our midst, I worship you.